Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui avec... Luni-chan. Voilà, pour une vidéo transformation en fairy cake, comme ça avait été demandé dans les commentaires sur une vidéo, je sais plus laquelle, mais bon, c'est comme d'habitude. Et voilà le maquillage que nous avons obtenu, donc voilà, avec des petits qui brillent, tout ça, voilà. Donc on va vous montrer un peu étape par étape comment on est arrivé là. Il n'y aura pas spécialement beaucoup d'explications et de parlotes parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Et la vidéo où nous allons nous habiller et nous changer, vous expliquer un petit peu justement comment un peu composer une tenue fairy cake sera sur la chaîne de Luni. Et nous vous invitons à rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une surprise. Et comme vous aimez trop les surprises, bah, ce serait triste de la louper quoi. Quelque chose à gagner. Oulala, indice, comme indice, feuille. Ou purée. Bah. C'est parti. Let's go. On va commencer donc pour faire notre make-up fairy cake. Moi je vais partir sur quelque chose d'un peu mint et lavande et je vais utiliser cette palette. Ta-ta-ta. Et toi tu vas faire un maquillage plutôt, on avait dit quoi, rose et lavande, c'est ça? Oui. Avec la palette de BH Cosmetics, qui est une palette de 88 couleurs, qui est pas mal. Avec le vieux bruit de chaise. De dire ça, elle va faire. C'est-tu fou? Moi j'adore ce que vous êtes en train de faire sur vos yeux. Ouais. Quoi, c'est beau? Bah ouais, moi j'aime bien. Non, c'est pourtant bien. Donc moi je sais pas si ça se voit mais je suis en train de partir sur un truc mint et lavande comme j'ai dit et je fais descendre le mint un peu ici parce que je vais coller tout des petits strass après et donc même si ça peut sembler relativement bizarre parce que moi aussi je trouve ça bizarre avec les strass normalement ce sera bon. Et si c'est pas beau tant pis. Moi j'ai une perruque mint, du coup je vais me faire les sourcils mint. Ah, mais pas ton mascara d'abord. Changer. Et ça.
un make-up aussi coloré de ma vie en fait, je pense. Sérieux? Je me maquille jamais comme ça en fait. Je me maquille toujours de l'exacte même façon depuis 10 ans. C'est bien. Je vais en faire d'autres. T'as remis du blush? Non. Donc maintenant nous allons passer aux fossiles et pour cela nous allons utiliser les petits fossiles de Luni. Oui, moi des vieux que je mets souvent. Ah tu mets pas ceux-là? Non. 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 Je vais mettre ceux-là. Ça me saoule de les recouper. Tout à fait de chez Lime Crime. Et voilà. Je vais le mixer avec le Saint-Germain de chez MAC. Comme ça, on va avoir la différence. Ah ah ah, trop fort la couleur. C'est quoi l'essence? Ouais, c'est un essence, mais je sais pas c'est quoi le lumière. C'est le Love Me. Oh, c'est mignon! Oui, je trouve. Parfait. C'est bon, on met notre petit strass? Yes. Strass. Ah oui, j'avais dit que je te taxais une étoile. Moi aussi. Ils sont là. Il y a une gâchette. Attends, on va pas prendre que ça. Ah non, je vais mettre Voilà, cette vidéo est supposément terminée. Je sais pas si tu es content de ton résultat, toi aussi. Oui. Ben attends. On peut dire ça. En tout cas, moi, je suis contente de son résultat. Je ne suis pas persuadée d'être contente du mien. Cependant, apparemment, c'est beau quand même. Dixit L, Dixit Hachi, Frankie, filmation. Voilà.
Donc à voir une fois que la tenue sera complète, parce que bon, avec la perruque etc, bien sûr ça ne donne pas la même chose. Avec des cheveux rouges, ça donne pas pareil non plus. Ça c'est clair, mais c'est beau quand même. Hashtag conviction les gars, conviction dans l'amour. Elle trouvait aussi que c'était beau quand j'avais les cheveux roux, pétants, brillants, donc j'ai des petits doutes sur ses goûts maintenant. Ben franchement, maintenant que j'ai vu ce que j'ai fait, j'ai des doutes sur mes goûts aussi, mais il faut savoir qu'on a un peu fait ça freestyle, dans le sens où on s'est dit bon ben voilà, on part sur ces couleurs là, et puis c'était totale improvisation. Elle m'a obligée. Oui c'est vrai en plus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, et je vous invite à aller regarder la transformation des vêtements avec la perruque, les accessoires, les chaussures, le tout, voilà, sur la chaîne de Mademoiselle Luni-chan, ici présente. Oui. Voilà, et notre amie Luni m'a proposé de participer, enfin non, pas vraiment participer, mais de lancer un giveaway avec elle, et nous allons vous proposer de gagner cette merveilleuse petite blouse avec les petits licornes. C'est une licorne ou un poney? C'est une licorne. C'est deux licornes même. Il y en a deux. Il y a deux licornes, voilà, ceci, avec le petit fond ondulé comme ça, tout mignon. Et pour le gagner, c'est très simple, vous devez simplement vous abonner à sa chaîne et à la mienne. Et pour avoir une chance bonus de gagner ce t-shirt, vous pouvez aller liker la page du blog de Luni que je vous mettrai en barre d'infos, tout simplement. Voilà, et je vous précise que toutes les personnes déjà abonnées, bien sûr, sont comptabilisées comme faisant partie des potentiels gagnantes, participants, quoi. Voilà, la fille qui ne sait plus parler. Et voilà, je vous dis donc maintenant à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous n'avez pas aimé, fermez la poche. Et ça s'arrête là. Gros bisous.